Oui, bonjour Marie-Noël. Alors aujourd'hui, le soleil est un peu revenu sur Cognac, mais hier, ça a été vraiment l'apocalypse, puisqu'à 17h, il a fallu faire évacuer tout le site du festival à cause de la pluie battante et de l'orage, et pour des raisons de sécurité, bien sûr. Alors, avec moi, Michel Roland, qui évidemment, je pense, Michel, vous avez passé l'après-midi la plus terrible de votre vie de directeur. En tout cas, émotionnellement, ça a été la plus dure depuis les 25 ans, oui. Pour la simple et bonne raison, parce que la soirée de hier, ça fait 5 ans qu'on la prépare, c'est pas rien. Et puis le site qui a été un peu cassé, ça fait un an qu'on travaille dessus pour vous surprendre à nouveau. Et ça a été très dur, oui, d'autant que la météo était hyper instable et que toutes les heures, il fallait qu'on change de décision, de position. Donc apporter comme décision, c'est difficile, oui. Il y a des enjeux derrière, des enjeux d'assurance, des enjeux financiers qui sont hyper importants. Et il fallait pas se tromper. Et c'est pour ça qu'en fait, à un moment donné, il n'y a pas eu d'information parce que on s'est posé la question, on a réfléchi jusqu'au dernier moment pour prendre la bonne décision et c'est ce qu'on a pris, je pense. En tout cas, le concert a eu lieu, il s'est bien passé, il y avait énormément de monde, on n'avait jamais vu ça sur le théâtre de Verdure, mais ça, nous y reviendrons en fin de journal.